Un plateau, deux invités seuls devant les caméras. Ils sont là pour mener un débat exactement comme ils le veulent. Mais pour commencer, petit aparté. Premier invité, qui êtes-vous? Je m'appelle Anne-Marie Duguay et je suis professeure à l'Université de Paris 1. J'enseigne sur les arts et les médias et je dirige un laboratoire qui s'appelle le LAM, les arts et médias. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui? Parce que je travaille sur l'incidence du développement technologique sur l'art contemporain. Par ailleurs, je dirige une collection d'archives sur l'art contemporain qui s'appelle Anarchive, où je travaille avec des artistes. Même question, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Jean-Claude Amezène, je suis médecin et chercheur, je travaille sur la mort cellulaire. Et donc depuis quelques années, je participe à des instances de réflexion éthique et d'une manière générale, je m'intéresse aux relations entre la science et la culture et la société. Et pourquoi vous, pour ce débat? Je ne sais pas, mais j'ai participé à l'écriture d'un livre qui s'appelle « Quand l'art rencontre la science ». Et donc l'idée, c'est que la dimension d'émotion et la dimension de raison, et donc ce qu'on attribue d'habitude à la science et à l'art, se complètent et que c'est une partie essentielle de ce qui nous rend pleinement humains. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Allez, on commence, première partie. Ce qui est partagé par l'artiste et par le scientifique, c'est vraiment une attitude. Une attitude de découverte, de une curiosité pour les phénomènes et surtout d'essayer d'aller voir au-delà de ce qui est observable, au-delà de ce que nous connaissons. Et là, je pense que bien avant l'expérimentation, il y a une sorte de disponibilité qui est commune. Je trouve qu'il y a un peu cette idée d'écoute flottante ou de disponibilité sensorielle et intellectuelle. Oui, il y a quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'enfance, hein, c'est-à-dire le moment où on pose des questions, où on n'a pas a priori l'idée de réponse préétablie et où tout est extraordinaire. Hein, la couleur du ciel, la mer qui se retire, où va-t-elle? Et donc il y a dans, comment est-ce que je veux dire, dans l'émotion qui amène la question, et dans l'émotion devant la question, et dans l'envie de comprendre quelque chose qui est le début, le prémisse, hein, sans doute, de la démarche artistique et de la démarche scientifique. Il y a beaucoup de points communs, très certainement, même si ce sont quand même des univers, des disciplines, des approches parallèles qui ont leurs particularités, leurs objectifs qui sont différents. Donc quand on parle d'un beau mariage, c'est aussi un mariage qu'on pourrait dire un peu à la mode. En ce moment, et bon, moi je vois beaucoup de catégories qui sont un peu fabriquées à la hâte. Genre on voit fleurir l'art fractal, l'art algorithmique, le bio-art, et tout ça, il y en a tellement qu'en définitive il y a une sorte de facilité, on accole art à une discipline ou à une recherche scientifique, et on a l'impression que c'est pas très sérieux. Mais en même temps, je crois que cela signifie quelque chose, vraiment, d'un intérêt fabuleux, formidable des artistes pour la science, au moins. Alors je crois que vous avez raison, il peut y avoir quelque chose de factice dans la manière dont c'est réuni aujourd'hui, hein, ou dont le mariage se fait, mais je crois que paradoxalement, c'est quelque chose de très ancien. C'est-à-dire, je pense que dans l'Antiquité, plus tard à la Renaissance, plus tard au XVIIIe siècle, au fond, les différences, les clivages que nous faisons aujourd'hui étaient beaucoup plus flous. Hein, c'était différentes façons d'aller explorer, creuser, enrichir, au-delà de la perception première de la réalité. Donc c'est cette idée, au fond, que chacune de ces activités fait partie de la culture humaine et de la nature humaine, et qu'elles se complètent parce qu'à elles seules, elles ne peuvent pas nous suffire à percevoir la richesse de la réalité. Donc il y a à la fois la quête de l'invisible, mais il y a cette idée que l'invisible, la réalité qui se dévoile, ce qu'il y a au-delà de l'horizon, il y a plusieurs démarches complémentaires. La question, c'est de ne pas les confondre.
Il est évident que l'art, une démarche artistique n'est pas une démarche scientifique, mais elles ont énormément en commun. Alors moi, j'abonderais dans votre sens, mais d'autant plus que si on se réfère pas à l'Antiquité, mais à la Renaissance, et évidemment l'exemple le plus connu, c'est Léonard de Vinci, qui, en une seule personne, il n'avait pas besoin de se marier avec lui-même. Il était à la fois inventeur de techniques, connaisseur aussi de données scientifiques sur le corps, sur... et il était artiste en même temps, c'était la même personne. Et il y a des figures de ce type aujourd'hui, quand on ne les connaît pas tellement. On pense toujours à des individus séparés, mais il y a des... si je prends l'exemple de... Norman White, qui est un artiste canadien qui travaille sur l'art comportemental, on peut dire, qui explore donc des comportements complexes à travers des robots. Il a une formation en biologie à Harvard. Si on prend l'exemple de Piotr Kowalski aussi, il a une formation en mathématiques et en architecture. Donc en fait, un même individu peut... à des degrés différents, et un degré de spécialisation différent, peut avoir une double, cette double approche. Alors, dans ce que vous dites, hein, je veux dire, au fond, ce que nous essayons de faire dans l'éducation, ce que nous essayons de faire dans l'animation de la vie culturelle, c'est justement de mettre en résonance ces approches complémentaires. Donc, d'une certaine façon, d'un côté, on a l'air de s'étonner que ça puisse cohabiter, et d'un autre côté, on a tous cette idée que, au fond, on devient pleinement humain si on a accès à ces démarches. Là où la confusion existe, c'est dire on peut avoir une approche scientifique, avoir une approche artistique, sans contribuer forcément de manière essentielle au développement des arts ou des sciences. Donc il y a deux questions distinctes. Il y a est-ce que qu'y a-t-il comme comme rapport entre quelqu'un qui fait avancer les connaissances scientifiques et quelqu'un qui fait avancer, ou dont on pense qu'il fait avancer l'art, et puis comment chacun de nous peut se plonger dans ces deux démarches et en quoi est-ce qu'elles se complémentent, en quoi est-ce qu'elles apportent quelque chose. Vous citiez des exemples. Goethe est un très bel exemple, hein, un grand poète qui était en même temps un grand botaniste et qui a fait un magnifique traité des couleurs dans lequel il remettait en cause la vision qu'avait Newton des mécanismes de notre vision, hein, dont Newton pensait que c'était la simple transposition en couleurs des longueurs d'onde de la lumière, et où Goethe, de manière beaucoup plus moderne et aujourd'hui considéré comme beaucoup plus correspondant beaucoup mieux à la réalité, pensait que nous inventons en partie les couleurs à partir des longueurs d'onde que nous percevons. Donc on voit que on peut faire des contributions dans les deux. On peut considérer, je pense pour Goethe, et c'était un peu deux façons différentes de faire la même chose. Et l'autre question, c'est comment est-ce qu'on peut approcher les deux, faire vivre les deux dans la vie courante, hein, lorsqu'on est un enfant à l'école, lorsqu'on est étudiant à l'université, lorsqu'on est dans la cité. Et là, je pense que ce qui est important, c'est que je crois que le 19e siècle et le 20e siècle a fait semblant de croire que la raison et donc l'appréhension scientifique du monde est d'autant plus efficace qu'elle est froide, dépourvue d'émotions, et que l'art, d'une certaine façon, est d'autant plus splendide qu'il est irrationnel et qu'il fait appel qu'à l'émotion. Et donc je crois que ce qui a été perdu, et ce que nous sentons tous dans notre vie courante, hein, c'est que ressentir permet de mieux comprendre, et comprendre permet de mieux ressentir. Et donc d'une certaine façon, la rationalité ne prend, l'explication du monde ne prend de sens que si elle s'ancre dans quelque chose qui est de l'ordre de la perception, du ressenti et de l'émotion, et qu'inversement, lorsque nos émotions sont dans un contexte que la raison peut appréhender, il y a aussi quelque chose qui gagne. Hein. Donc la séparation, comme tout ce qui est de l'ordre de la spécialisation, permet d'aller loin, mais elle donne, je crois, de l'artiste et du scientifique dans la société une vision artificielle. Oui, on a cette idée de la science, quand je dis on, c'est plutôt du point de vue de l'art et même de la population en général. On a cette idée que la science trouve une vérité, qu'il y a une rigueur, il y a une aura
scientifique qui est liée à cette rigueur et à la haute estime, et c'est justifié, dans laquelle on tient ces vérités qui sont trouvées. Mais en fait, on s'aperçoit quand même que ce sont des vérités approchées, disait Bachelard, ou qu'il y a beaucoup d'indéterminisme dans tout ça, qu'il y a beaucoup de subjectivité, que aussi le scientifique se projette beaucoup lui-même, se trouve, se découvre aussi lui-même au cours de la recherche qu'il produit. Oui, alors je pense au fond, dans l'élaboration de la science, des tas de phénomènes de type affectif, intuitif, émotionnel, et qui sont très proches de l'expérience artistique, vont présider à la naissance de la science, mais qu'ensuite, ce qu'on en fera, c'est-à-dire ce qui sera une loi scientifique, ce qui sera une application scientifique, sera débarrassé de ce qui lui a donné naissance, et je dirais, sera considéré comme d'autant plus solide que ça tient quand c'est débarrassé de ce qui lui a donné naissance. D'où l'idée que la science est désincarnée, que la science se dit comme si la nature parlait toute seule, hein, c'est-à-dire personne ne parle, personne ne dit « je », mais c'est parce que sa validité, sa solidité, son objectivité, sa reproductibilité tient du fait, justement, que ça ne dépend pas de qui l'a pensé. Mais l'oubli qu'on fait, c'est que par contre, ça, au fond, si sa valeur, à un moment donné, tient à son universalité, sa production, elle, est totalement locale. La science, oui, moi j'ai envie de dire, elle apporte tout. Disons, elle apporte tant. à des niveaux très différents, en fait. Elle apporte des connaissances qui sont nécessaires à l'artiste pour développer les outils qui lui sont nécessaires à la réalisation de certains projets, qui définissent ses techniques, comme les... par exemple, les impressionnistes ou les pointillistes, comme Georges Seurat, ont été très influencés, très directement influencés par les recherches de Maxwell ou de Chevreul sur le contraste coloré, par exemple. Alors ça, c'est un aspect. L'autre, quand je dis qu'elle apporte pour moi tout, ce sont les collaborations qui se sont développées de plus en plus depuis surtout le milieu des années 60, entre artistes, scientifiques, mais aussi avec des ingénieurs. Et là, il y a quand même un groupe qu'il faut signaler, qui était fondamental, c'est Experiment in Art and Technology, où des artistes comme Robert Rauschenberg a travaillé avec un ingénieur comme Billy Kluver, et ils ont suscité, ils ont vraiment stimulé ce mouvement de collaboration entre des disciplines, donc tout à fait différentes. Et je trouve qu'il y a un très bel exemple, mais c'est celui sur lequel je travaille en ce moment, mais dans le fond j'ai envie d'en parler, qui est cette artiste japonaise Fujiko Nagaya, qui a fait des brouillards depuis les années 70, mais pour créer ces brouillards à partir d'eau purifiée, c'est donc pas de la fumée, quoi que ce soit, il a fallu faire non seulement des tests techniques, mais faire appel à des savoirs scientifiques. Elle a travaillé avec des météorologues, avec des physiciens. Et je trouve qu'il y a là vraiment, dans ces collaborations, un ensemble d'attitudes, d'échanges, de partages, qui ne sont pas toujours faciles, évidemment, mais de partage de langage qui sont très intéressants, où on voit que la science est absolument indispensable pour certains projets. Ce que vous évoquez, c'est vraiment... Il y a la technique, c'est extraordinairement important, et puis il y a le tissage de chacune de ces activités qu'on va appeler scientifique ou qu'on va appeler artistique, dans la culture. La poésie, le théâtre se dit, et puis se retient, et puis évolue au fur et à mesure que la mémoire bouge. Et puis un jour, il y a l'invention de l'écriture, et puis ça va être une autre forme d'inscription de l'art dans la réalité. Et donc on voit qu'à chaque invention culturelle, à chaque invention technique, à chaque invention scientifique, à chaque invention artistique, la culture se modifie et va permettre l'émergence de quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que la science contribue et a contribué, tout dépend ce qu'on appelle la science, mais depuis l'origine de l'humanité, à des changements profonds dans lesquels, au fond, l'art s'est inscrit. Et donc les deux coévoluent, hein, si on regardait dans un contexte biologique. C'est comme l'un est l'environnement dans lequel l'autre
va émerger et se modifier. Alors c'est très frappant de parler de Maxwell pour l'impressionnisme ou le pointillisme. Moi je suis toujours frappé que la naissance du pointillisme est contemporaine de l'invention des microscopes à haute définition qui font émerger la théorie cellulaire. C'est-à-dire c'est le milieu du XIXe siècle où on découvre que tous les corps des animaux et des plantes sont composés d'entités invisibles qui sont les cellules. Et donc on est devant un paysage pointilliste, universel. Tout ce qui vit est fait de points et d'un seul coup ça apparaît dans la peinture. La physique moderne va déconstruire nos notions intuitives d'espace et de temps, et puis on va voir émerger l'art abstrait, une musique nouvelle. Donc, lequel précède l'autre ? C'est même pas tellement cette question, c'est au fond, chacun s'inscrit dans une culture, la fait bouger, et favorise l'émergence de l'autre. Dans un domaine qui est beaucoup plus nouveau, peut-être, parce qu'en tout cas qui progresse, qui sont les neurosciences, c'est-à-dire que les neurosciences commencent à se poser des questions sur ce qu'est la démarche artistique et ce qu'est la démarche scientifique. Il y a un très beau film qu'on avait primé au festival de films scientifiques Paris Science qui s'appelle Music Instinct, l'instinct de musique, et qui était très beau parce que c'est à la fois un film dans lequel des artistes, de grands artistes, de grands interprètes de musique classique ou des chanteurs parlent de leur art, parlent de la musique, en tant qu'expérience profondément artistique, et puis des neurobiologistes essaye de capturer une partie de ce que de la manière dont ça naît. Je pense aussi que toute la recherche scientifique telle qu'elle est aujourd'hui hyper médiatisée, parce que ça c'est important de voir les conditions de la recherche artistique aussi. C'est dans un milieu culturel où l'on connaît, où l'on a accès à la fois des instruments comme l'informatique, à ces nouveaux moyens de visualisation, de simulation, et puis à l'information. Je crois qu'il y a aussi quelque chose, on l'a pas dit tout à l'heure, mais qui est profondément commun dans la démarche scientifique et artistique, c'est la médiation, le partage. C'est quelqu'un ou une collectivité ou une personne qui, au fond, fait voir aux autres ce que son activité lui a permis de percevoir, d'inventer de la réalité. Il y a toujours quelque chose que j'ai trouvé fascinant d'un point de vue artistique en Chine, qui s'appelle les pierres de rêve, et qui sont en fait l'artiste, si je puis dire, va dans la montagne, trouve un rocher, pense qu'il va y avoir quelque chose de beau, le découpe, et puis à l'intérieur, la sédimentation a créé un paysage, c'est des pierres un peu savonneuses, qui ressemblent à des montagnes, à des lacs, et donc c'est l'équivalent d'un tableau chinois. Et l'artiste, c'est celui qui le trouve, le découpe, écrit un titre, signe de son nom, et donc au fond avoir vu quelque chose et le donner en partage fait déjà de ce qui est donné une œuvre d'art. Donc je crois que c'est cette médiation humaine, c'est-à-dire le fait que ce que quelqu'un a vu et qu'il donne à partager, qui est peut-être intrinsèquement au cœur de cette démarche commune qui est la démarche scientifique et artistique. Mais j'ai souvent cette impression, si vous voulez, que des très belles images scientifiques, et on en a de l'univers par le télescope Hubble, on l'a par les microscopes au fond de nos corps, sont un peu comme des pierres de rêve. C'est une production scientifique, mais c'est presque une œuvre d'art. C'est quelque chose que quelqu'un a vu et qu'il donne en partage. Je trouve que ce que la science apporte à l'art aussi, c'est des métaphores. Quand on connaît rien à la science, ou très peu de choses, et qu'on entend le terme de poussière d'étoiles, d'attracteurs étranges, il y a une espèce de poésie là-dedans qui stimule la création, enfin en tout cas qui stimule l'imagination. Un dernier mot là-dessus, quand vous disiez les métaphores, impression, soleil, levant, j'ai toujours trouvé ça très étonnant, de Claude Monet. C'est impression soleil levant, c'est magnifique, c'est la façon dont lui voit un soleil levant et qui nous bouleverse parce que c'est une façon particulière. Mais pour un scientifique depuis Galilée, le titre est tout à fait exact. Le soleil levant, c'est une impression, c'est une illusion. En réalité, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Et c'est nous qui à la fois savons que la Terre tourne sur elle-même et donc que le soleil levant est une illusion, et qui d'un autre côté voyons et pensons le soleil se levant et se couchant. Et donc, au fond, les deux nous montrent que la réalité est beaucoup plus riche et complexe que nous ne pouvons spontanément le percevoir. Et c'est dans ce sens, je crois, que les deux démarches nous enrichissent, et que les deux démarches, même si c'est par inadvertance, rentrent en dialogue. –
Ces questions sont compliquées. Hein. Qu'est-ce que la science apporte à l'art et qu'est-ce que l'art apporte à la science? On a l'impression, là encore, que ces deux démarches distinctes qui contribuent l'une à l'autre. Hein. Je crois que c'est la question plus profonde, c'est en quoi rentre-t-elle en résonance? En quoi la coexistence entre les deux nous enrichit? Il y a une initiative qui a été prise il y a quelques années par une très grande université américaine, qui est l'université de Yale, et qui aujourd'hui s'est propagée à toutes les grandes universités américaines, et qui concerne les études médicales. Et l'idée, donc, il y a quelques années, était de faire en sorte que des étudiants en médecine soient initiés à l'art. Alors à Yale, ça a été l'art pictural, les visites de musées, des cours de peinture. Dans d'autres universités, ça a été de la poésie, le roman, des séances d'écriture. Et l'idée, c'était au fond, un médecin n'est pas simplement un homme de science, c'est aussi quelqu'un qui a affaire à une personne. Et donc l'art, peut-être, permettra au cours des études d'approfondir l'empathie, la recherche de l'autre derrière une appréhension qui n'est pas purement biologique ou anatomique ou physiologique. Et en effet, le résultat, bon, c'est que il semble que ça donne, en effet, en termes d'empathie, de sympathie, d'écoute, un avantage. Ce qui a été très surprenant et qui fait que ça s'est diffusé dans toutes les universités maintenant comme une partie importante de l'enseignement, c'est que non seulement, évidemment, ça rend plus sensible à l'écoute, ça rend, entre guillemets, plus humain dans la pratique du métier, mais ça augmente la qualité du sens diagnostique. Autrement dit, la surprise, parce que ce n'était pas attendu, c'est quand vous prêtez plus d'attention à la personne, ce qui est une démarche humaine, eh bien, en plus, vous êtes meilleur dans ce que vous en tirez comme conclusion dans la pratique médicale, parce que étant plus intéressé, eh bien, en fait, vous allez plus profondément dans votre approche. Il y a une phrase de John Keats, du poète John Keats, que j'aime beaucoup, qui est « Rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas ressenti ». Et je crois qu'autant la science, d'une certaine façon, permet de comprendre, mais pas forcément de ressentir, l'art permet de ressentir. Moi, ce que je reproche souvent quand on se demande ce que l'art apporte à la science, c'est très souvent une meilleure visualisation des recherches scientifiques. Alors l'artiste va venir donner un petit peu des couleurs un petit peu plus séduisantes. C'est le bonus de séduction qu'il y a. Alors bon, ça c'est pas très intéressant, à mon avis. C'est assez superficiel. Mais il y a un autre aspect de l'activité artistique qui me semblerait intéressant de signaler. C'est la manière dont des artistes testent, pas aux sciences scientifiques, mais en faisant toutes sortes d'essais, d'expérimentations, ou faisant vraiment des propositions qui traitent de l'espace et du temps, par exemple. On a vu beaucoup d'artistes utilisant la vidéo, travailler sur des perturbations de la perception de l'espace en renvoyant aux spectateurs, ou disons aux visiteurs plutôt, une image avec un décalage de 8 secondes et en même temps une image directe dans le miroir, des combinaisons, des dispositifs où l'artiste traite de ces questions très fondamentales de l'espace et du temps et de la perception. Je crois que l'art apporte cette espèce de... Vous parliez de brouillard tout à l'heure. D'une certaine façon, il dissipe le brouillard des apparences. Et donc, en le dissipant, il permet non pas forcément de rencontrer une réalité nouvelle, mais d'aller à sa recherche. Je lisais un livre qui vient de sortir, qui n'est pas encore traduit en français, de Siri Houchtet, la compagne de Paul Auster, qui s'appelle « La femme qui tremble », où elle fait un voyage à partir de ce qui lui arrive dans la neurobiologie et les neurosciences et la psychiatrie actuelle, un voyage extrêmement bien informé, mais comme elle est romancière, la façon dont elle s'interroge sur ce qui lui arrive et la façon dont elle visite ce que la science en dit aujourd'hui a une qualité humaine, une sensibilité, une résonance qui souvent n'est pas là dans ce qu'on dit aujourd'hui que la science permet de comprendre. Donc je crois qu'il y a une contribution, il y a une médiation. La démarche artistique est une des médiations qui peut rendre la science sensible. Et si j'allais plus loin, c'est au fond ce que la science apporte à l'art et ce que l'art apporte à la science, c'est en quoi, à elles deux, ces deux démarches peuvent contribuer à quelque chose qui les dépasse. Et je crois que, comme d'autres démarches humaines, au fond, elles contribuent à quelque chose qui les dépasse.
et qui est nos relations au monde et aux autres. Il y a deux dimensions que je trouve très importantes aussi, qui est d'une part la dimension du jeu, parce que l'artiste va jouer avec ses découvertes sur les phénomènes. Il peut se permettre de cela. Et ce qu'il peut se permettre aussi, mais vous allez peut-être me dire que non, il peut se permettre la dérision, l'humour. Et quelle peut être la part de l'humour dans la recherche scientifique ? Alors, elle peut être très grande. Alors, encore une fois, dans la recherche elle-même, oui, elle peut être considérable, comme toute activité humaine. Après, dans la manière dont la science se dit et se transmet, c'est autre chose. La contribution que l'art peut faire à la science, elle est de l'ordre, peut-être de l'éthique, c'est-à-dire de la démarche humaine. Il y a deux choses qui me frappaient. Dans son autobiographie qu'il écrivait à l'attention de sa famille quelques années avant sa mort, Charles Darwin disait que quand il avait jusqu'à l'âge de 30 ans, il était extraordinairement ému par les poètes, par Shakespeare, par Shelley, par Byron, par la musique, qu'il adorait les tableaux. Et puis que depuis quelques années, ça l'a complètement quitté. Il n'aime plus les tableaux, la musique l'embête, il n'aime plus la poésie. Et il dit, c'est drôle, c'est comme si mon esprit était devenu une machine, une immense machine à moudre des lois générales à partir d'un large assemblage de faits et que le sens esthétique m'avait abandonné. Bon. Et il dit, et je pense que c'est important, le fait que le sens esthétique m'ait abandonné, c'est sûrement mauvais pour le bonheur, c'est sûrement mauvais pour l'intellect, mais, dit-il, c'est sûrement encore plus mauvais pour le sens moral, parce que ça entraîne l'abandon de cette part émotionnelle de notre nature. S'il n'y a pas cette dimension de sensibilité, d'émotion, il y a un risque que la science devienne inhumaine. Alors pour continuer ce que vous venez de dire sur la vérité, je pense à cette phrase de Picasso qui disait « L'art est un mensonge qui nous permet de voir la vérité ». Et voilà, je trouve que ça, c'est peut-être le dernier mot que j'aurais à dire. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit avec deux nouveaux invités pour débattre et s'écouter.